Alexis, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan des deux matchs à Londres? C'était un match assez serré, puis trois prolongations. On a perdu le match à la fin. Ouais, donc tu disais que c'était assez serré, trois prolongations. Ouais, assez serré, trois prolongations, et puis à la fin on a craqué, et puis ils ont marqué le panier qu'il fallait. Et toi, ta situation perso dans les deux matchs, comment tu fais ça? Dans le match, j'ai eu 3 minutes, j'ai pas vraiment eu le temps de m'exprimer, j'ai pas trop touché le ballon. Donc c'était un peu dur de m'exprimer sur ce match-là, et puis voilà, c'est pas grave, j'ai eu un match comme les autres, et puis il y en a un autre qui va arriver bientôt. Et plus généralement, en fait, c'est une bonne expérience en fait, finalement, d'être venu à Londres pour ces deux matchs. Oui, c'est une très bonne expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris déjà sur la culture des Anglais. La plupart des gens, ils n'étaient jamais venus ici. Donc, je pense que c'est intéressant pour ça. Et puis, de l'autre côté, je pense aussi que c'est intéressant pour la NBA qui vient de jouer en Europe durant la saison. Parce que ça montre aussi aux autres nations que la NBA s'intéresse à eux. Et que les fans étaient là aussi, c'était très présent sur ces deux matchs-là, je pense que c'est intéressant, c'est le sujet. L'ambiance était différente, c'était pas comme les autres matchs qui se déroulent aux États-Unis. C'est différent, c'était vraiment différent. Ouais, c'est différent parce que tu vois, quand tu joues à l'extérieur, sachant que nous on a joué deux matchs à l'extérieur et New Jersey était soi-disant à domicile. Quand je suis à l'extérieur, il n'y a pas de supporters. Ils te bougent pendant tout le match. Et puis voilà, c'est comme ça à chaque ville. On comprend pourquoi ils font ça. Mais ici, c'était un peu différent. Il y avait deux parties du public qui étaient pour les deux équipes. Donc c'est assez intéressant. C'était très présent. Dernier mot, le bilan du séjour, match pour partir demain. Bilan du séjour, fatigant. Ouais. Fatigant au niveau des horaires, des décalages horaires et tout ça. Et puis voilà, je pense que la plupart d'entre nous ont dû se presser de rentrer, de se refaire au rythme de la saison. Et puis voilà, normalement ça devrait retourner. Bon retour et à bientôt. Merci beaucoup. Orange.